tires ou tu pointes. Comme vous le savez, à la pétanque, il y a deux options, le tir et le point. En doublette, c'est très simple. Il y a deux postes, un tireur, un pointeur. En triplette, par contre, une troisième personne vient avec les deux autres. Son poste, c'est le milieu. Sa particularité, c'est qu'elle doit être aussi fort au point qu'au tir. Comment choisir son poste? Soit en fonction de ses affinités, ce qu'on préfère faire, soit en fonction de ses partenaires, par rapport à leurs forces et à leurs faiblesses. Le terrain aussi peut jouer un rôle important, s'il est dur ou s'il est souple. Ce qui est important une fois qu'on a défini les postes de chaque joueur, c'est de maintenir ces postes pendant un certain moment. Pourquoi? Parce qu'un certain rythme va s'instaurer et donc améliorer l'efficacité de l'équipe. En cas de défaillance, on peut très bien changer les postes. Le pointeur peut passer milieu, le tireur passer milieu ou pointeur pour réorganiser son équipe afin d'être plus performant. Allez, surtout, faites le bon choix pour vos partenaires. Allez, on s'en fait une ?